بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 10. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من يلخص الموضع الثالث من السيرة النبوية؟ Le troisième point que Cheikh l'Islam رحمه الله il a cité dans cette رسالة. تفضل. نعم، ما هي قصة القرانيق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم. قرأ سورة النجم، نعم. والشيطان تلا مثل صوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دس في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. دس ماذا؟ سكوا كلا غجوتي. أوفان عنده شفاعة. أحسن، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، أي أنهم يبقى دمان دمان تخصيصيون أزيدل. فماذا؟ في آخر سورة في سجدة والمشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المشركون سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سساء قصة الغرانيق. أولا، لا قصة حكمها؟ نعم، ألا ثابتة، ألا ضعيفة، ألا منكرة. تقدم معنا قول الإمام ابن كثير وقول شيخ الألباني وكثير من العلماء على ضعف القصة. Ça c'est premièrement. On peut pas la prendre comme argument. لكن بعض العلماء voient leur avis eux c'est qu'elle est ثابتة. كالحافظ ابن حجر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب il l'a cité لأن pour lui elle est رحمه الله على ثابتة. شيخ الفوزان كذلك. المهم أن استقصى العلماء اختلفوا والصحيح استقصى لضعيفة. بقي لماذا؟ ليس سكين زاتغز هنا. لماذا شيخ الإسلام إلى ستي ست قصة بالعربية؟ أنا مشكون تجيب إذا كنت توافقهم. نعم. وإذا خلفهم يحاربون. أحسنت. هذا سامونتر أن الولاء والبراء ومحاربة الكفار للإسلام والمسلمين من أجل العقيدة. هذه القصة المونتر هذا هي ضعيفة، لكن دي زوتر دي لا يبروف هذا. لا بيوغرافي دي بروفيسور صلى الله عليه وسلم depuis le début de la révélation jusqu'à sa mort ça prouve هذا. أنهم ils l'ont combattu, ils n'ont pas arrêté de le combattre pour son dîme. Ils n'ont jamais combattu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que c'était un menteur ou un voleur ou ma'ad Allah. Abadan. C'était Al-Amin عندهم, une personne de confiance. Enfin, ils ne l'ont jamais combattu pour autre chose que sa aqid. Le troisième point, il est muhim jiddan. Il est muhim jiddan. Voilà aussi la qissa la da'ifa, alaykum salam. Enfin, le troisième point, il est muhim. Amma al-mawdi' al-rabi' fa naqra. Qala al-mawdi' al-rabi' qissatu Abi Talib fa man fahimaha حسنا فمن فهمها فهما حسنا فهمت لعله سقط لفظ فهما. قال وغبت الآن. قال الموضع الرابع قصة أبي طالب فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه أو وحث الناس عليه. قال وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Ce point c'est من أهم ما يكون. Ce point est très important لأن كثير من الناس لا يفهمونه. أن هذا الرجل أبو طالب أولا
il fait partie de la famille du prophète Aïssa al-Salam. Son oncle, le frère de son père, Abu Talib, le fils de Abdel Muttalib, le frère de Abdullah. Donc l'oncle du prophète Aïssa al-Salam. Le père de Ali, radiyallahu anhu. Abu Talib, هذا, il ne combat pas le prophète Aïssa al-Salam. Ben, il le protège. Il le protège. Il dépense son argent pour lui. Il l'élève. Il prend son temps. Tout ça, malgré tout ça, c'est un kafir. Hein, la question qu'on peut se poser, l'ikhlou, dès qu'on lit la biographie, c'est هذا الرجل l'oncle du prophète sallam Abu Talib. Dans la biographie, il revient souvent, khasatan au début, à la période mekkoise, Al-Ahd al-Makki, il est encore vivant. Et dans la biographie, tu vois qu'il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois qu'il s'énervait si quelqu'un faisait du mal. Il a akhiré. Et tu vois qu'après la mort de Abu Talib, ça a été dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont combattu plus. Lien Abu Talib, il avait une place. Il avait un rang. Inda Ahl Mecca, inda Quraysh. Il le respectait du tel. Quand il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Katir bin al-Nas, il ne pouvait rien faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il est mort, ça a tout changé. Malgré tout ça, Abu Talib, il est mort à l'al-kufr. ولا تغتر لا تغتر بقول بعض الصوفية أو بعض الروافض لأنهم ils essayent de prétendre que Abu Talib est un musulman, il est mort à l'islam. Wallahi, أن هؤلاء ceux qui disent que Abu Talib il est mort musulman, هؤلاء ils n'ont pas compris le tawhid. لأن عندهم عند الصوفية أما الروافض فتعلمون الروافض سأحمق الناس. Ils ne comprennent rien du tout. Hatta fi Abi Talib, ils n'ont pas compris la question. Al-Rawafid, Abu Talib pour eux c'est un musulman. L'annahu, c'est le père de Ali, il a akhli. Et vous savez que Al-Rawafid, ils ont du rouleau fi Ali, fi Ahl al-Bayt. Mushrikoun, dollal. Eux, ils pensent que Abu Talib, c'est un musulman. Le fait que Abu Talib, c'est le père de Ali, ça suffit pour eux que ça soit un musulman. Ondur al-Dalal. L'annahu, Al-Rawafid, ils ont un wala et un bara sur leur madhab fasid. Ça peut être akfar al-nas. S'il a des liens avec Ali, s'il a des liens avec Ali, eux ils vont prétendre que c'est un musulman. Les anna leur dîn, il est basé sur ça. C'est, si t'es proche de Ali, t'es un musulman. Si t'es pas proche de Ali, t'es un kafir. Hada c'est pas sahih. Hada c'est pas sahih. Abu Talib c'est le père de Ali. C'est un kafir. Il est mort à l'al-kufr, comme on va voir. Les preuves d'un il est mort à l'al-kufr. Tu trouves des personnes, ils ont rien à voir avec Ali. يعني vient de parenté. Et c'est min abarra al-nas. Prends l'exemple de Bilal, radiyallahu anhu. Il n'a rien à voir avec Ali. Bilal, il vient de l'Habasha. Ali, il vient de Quraysh. Rien à voir, ni lien de parenté, ni lien de sang, ni les mêmes origines. Lakin, c'est des frères, c'est un musulman. Lakin, al-dhalal al-rawafid, annahum, ils n'ont pas compris le din. Ils n'ont pas hada al-tawhid. Ils n'arrivent pas à comprendre que Abu Talib, ce n'est pas un musulman. Hatta ahaduhum. من زنادقة الروافض أنه يكبرون با كأبو طالب سان كافر يدي كمو لبيغ دو علي سان كافر يدي خالد بن الوليد المجرم الرافضي لانسولت خالد بن الوليد يلاغي با كون خالد بن الوليد سان مسلم بوركوا لأن هذا الرافضي الخبيث يسعي دو كبرون دين avec sa raison فهو يغزن يدي أبو طالب. C'est le père de Ali. Il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie. Et il dit Khalid ibn al-Walid. Il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il soit musulman. Il n'a aucun lien avec Ali. Il a akhiré. Et vous dites que c'est un musulman. Et nahnu, ce qui fait rentrer l'islam, c'est la ilaha illallah. Ce n'est pas les liens de parenté avec Fulan ou Fulan. Hada, ça vous montre. Anna ba'd al-nas, ils comprennent toi, ils ne comprennent pas ce point hada. Tu vois, anna hu il a un da'af al-aqidah, un da'af al-tawhid. Wa al-ayadu billahi, c'est ça. Haoula, nous on a cité leur égarement pour vous montrer le point, il est important du thème. Et nous, la question qu'on se pose ou qu'on peut se poser, c'est en lisant la sira, comment, pourquoi Abu Talib, ou c'est quoi qu'a fait que Abu Talib, c'est pas un musulman? Une personne ne peut se poser la question. Vous allez voir que al-mas'ala, c'est mas'ala tawhid. Annahu, il n'a pas voulu kfar bi ta'ghut. Il n'a pas voulu délaisser ses idoles. Et il n'a pas voulu témoigner an la ilaha illallah. Voilà aussi, il aimait le prophète, il a défendu le prophète. Ça ne suffit pas, ayyuha al-muslim. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'aimer là. Ça ne suffit pas de défendre là. Tu es obligé d'avoir tawhid ou takfar bi ta'ghut, comme on l'a vu beaucoup de fois dans les durus. Qala al-allama al-shaykh Salih
الفوزان وفقه الله تعالى قال أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم العم أخو الأب أي لونكل لونكل باترنل أبو طالب يسابل عبد مناف أبو طالب يسابل عبد مناف قال لما توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب عبد الله le père du prophète عليه الصلاة والسلام le frère de Abu Talib les deux c'est des frères ils ont le même père عبد المطلب et on ne confond pas عبد المطلب et Abu Talib là عبد المطلب c'est le père de Abu Talib le père du prophète عليه الصلاة والسلام عبد المطلب c'est le grand père du prophète عليه الصلاة والسلام قال والرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه ثم لما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون il a pas connu son père il est mort et la mère du prophète صلى الله عليه وسلم elle était enceinte du prophète عليه الصلاة والسلام فهو il est mort et le père du prophète صلى الله عليه وسلم il est mort avant que son fils naisse avant que le prophète صلى الله عليه وسلم naisse celui qui a pris en charge Le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est son grand-père, عبد المطلب, son grand-père. قال لأنه أصبح يتيما فكفله جده عبد المطلب. نعم, le prophète عليه الصلاة والسلام, il était orphelin. Il n'avait pas de père. Enfin, celui qui s'est occupé de lui au départ, dès qu'il était encore bébé, c'est son grand-père عبد المطلب. قال ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاء أوصى به إلى ابنه أبي طالب. ثم, son grand-père عبد المطلب, il est mort. Avant de mourir, il a fait un testament en a celui qui s'occupe de Mohammed, il est encore tout petit, c'est son oncle, le fils de Abdel Muttalib, Abu Talib. قال وأبو طالب قام بالواجب وحضن النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وأكرمه. نعم, فcelui qui a élevé le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est son oncle Abu Talib. قال ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين قام معه يحميه ويدافع عنه. Abu Talib Il a connu le début de la révélation. Il a connu le prophète sallam en tant que rasoul. قال ولقي الأذى من قريش في سبيل حماية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعرض نفسه للخطر والمجاعة حتى إنهم حاصروهم في الشعب سنين وقاطعوهم وقطعوا عنهم المؤن وقطعوا عنهم الاتصال ومعهما مطالب وصبر على هذا. L'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام, il a défendu le prophète عليه الصلاة والسلام. Alors que ça lui a posé des problèmes. مثلاً, l'exemple qu'on avait donné, vous vous rappelez, Al-Hisar, dès qu'ils ont fait le blocus au prophète عليه الصلاة والسلام, ils leur ont privé la nourriture, il a akhiré. Avec le prophète عليه الصلاة والسلام, il y avait Abu Talib. Abu Talib, il aurait pu le délaisser là, lakin il l'a défendu. قال وكان يمدح دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا هذه الأبيات في ثبوتها نظر ابن كثير ذكرها في البداية والنهاية وكثير من أهل السيرة من أهل السير بلتو يذكرون هذه الأبيات وفي ثبوتها نظر بعض العلماء يقولون أن ces vers de poésie sont pas صحيح le fait que Abu Talib il a dit ça. Bah, les ulama ils disent Abu Talib il a jamais dit ça. Lakin, ala kulli hal, si les vers de poésie sont pas sahih, anna la vie de Abu Talib c'était ala hada. Annahu il défendait le prophète sallam, il savait que le prophète sallam était véridique, il a akhir. Fa le sens des vers de poésie, laqad alimtu bi anna dina Muhammad min khayri adyan al-bariyyah dina. Ay Abu Talib il dit anna il sait très bien que la religion du prophète sallam c'est le meilleur din. قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا ثم يدي سي il avait pas peur de faire insulter par son peuple فإلو رسفي في البروفيت عليه الصلاة والسلام قال الشيخ الفوزان وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية اعترف بأن محمدا رسول الله وأنه صادق في رسالته نعم كذلك لا نوت بويزي لامية مشهورة ابن كثير إلى سيتي دار البداية والنهاية كذلك في ثبوتها نظر بعض العلماء يديز ك لا بويزي لا تثبت إلى أبي طالب سي با أبو طالب كذي هذا الكلام على كل حال نحن سافي المونتخ هذا أنه يسي كو البروفيسور صلى الله عليه وسلم إلي تاع على حق
malgré tout ça, il est mort à l'al-kufr. Un tel un, tu as plusieurs choses. Il défend le prophète alayhi sallam. Il aime le prophète alayhi sallam. Il aide le prophète alayhi sallam. Il sait qu'il est à la haqq. Il sait que c'est un rasoul. Malgré tout ça, c'est pas un musulman. Un, nous, la question qu'on peut se poser, pourquoi? C'est quoi la chose qui fait que c'est pas un musulman? Qu'est-ce qui lui manque? Qala, et on va lire, et Cheikh Fawzan il va citer, c'est quoi que qu'a privé Abu Talib d'être musulman? قال وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة دين آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنام فأخذته الحمية الجاهلية في امتناعه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يجر على أشياخه المسبة. C'est ça qu'a privé Abu Talib de l'islam. أنه il a pas pu dire أن الدين de ses ancêtres, et ils adorent Allah, Al-Uzza, ils adorent les statues. Il n'a pas osé dire c'est bâtil. Al-Hamiyya, il a suivi aveuglément ce dîn. Il savait que le prophète était à la haqq. Lakin, il n'a pas pu dire. C'est pour ça que tu trouves qu'Abu Talib, il n'a pas dit la ilaha illallah. Léanna Abu Talib, il sait très bien le sens de la ilaha illallah, c'est quoi. Abu Talib, il fait partie de l'arabe, de Quraysh. Eux, ils maîtrisaient la langue arabe, dit-elle. فلا إله إلا الله il a très bien compris هو. Il sait que si il dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'il nie la religion de ses ancêtres. Il le sait. فهو il n'a pas pu. Ça l'a empêché de dire la ilaha illallah. Et le fait qu'il ne dise pas la ilaha illallah, ce n'est pas un musulman. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'islam, il a des piliers. Le premier pilier, c'est la ilaha illallah. Bunya al-islam ala khams. Shahadati an la ilaha illallah. Enfin, celui qui ne dit pas la ilaha illallah, qui ne la prononce pas, walaw il aime le prophète, walaw kada, walaw kada, alors qu'il peut la prononcer, s'il ne la prononce pas, c'est un kafir. C'est un kafir. Il y a une chose qui l'empêche de prononcer. Cette chose, c'est le kufr. Son amour du prophète, sa défense du prophète, ça lui a servi en rien. Léanna, il n'a pas témoigné an la ilaha illallah. Kada Alex, ce qui l'a empêché, c'est makhafat masabbat qawmih. Il a eu peur que son qawm il l'insulte à l'akhir. Ta'alamoun anna al-kuffar, si tu délaisses leur dîn ou tu délaisses leur pensée, ils te critiquent mubashara. Fala taghtar, t'entends liberté d'expression, hada al-kalam, t'es libre, tu fais abadan. Wallahi, t'es pas d'accord avec eux, ils te harb. Ça, c'est pas la liberté en haqiqa, c'est pas ce qu'ils prétendent. Eux, c'est des kadhab. Dîn al-kuffar, la plupart des kuffars, ils adoraient des statues. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, ils le combattent. À notre époque, c'est la démocratie. C'est la démocratie laïcité. Si tu dis que tu n'es pas d'accord, tu verras. Si tu dis là, je ne suis pas d'accord, c'est du kuf. Le kufar, il va te harb. Alors qu'avec tout ça, ils prétendent que tu es libre, tu fais ce que tu veux, la liberté de penser, c'est que du kadib. Un jour, il te dit là, la liberté, tu fais ce que tu veux, il a akhiré. Leur discours d'Aïman le même. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense comme il veut, il ne faut pas forcer les gens. Tu lui dis, je ne suis pas d'accord avec la démocratie, il te combat. Enfin, pourquoi tu me combats? Laisse-moi penser ce que je veux. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ils se contredisent? Indaman? Pourquoi le musulman ne se contredit pas? On parle musulman sadiq. Celui qui a la haine ou la haine, tu trouveras, il ne se contredit pas. Enfin, je ne dis pas une chose après. Amal kafir, pourquoi ils se contredisent? Dans tout ce masala et autres. Maintenant, ils appellent à la liberté. Ton mahoua, si tu n'es pas d'accord avec lui, il te combat. Maintenant, ta femme a envie de mettre le hijab, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Pour eux, tant qu'elle fait de mal à personne. Maintenant, elle met le hijab, ça fait 50 ans en France, il y a des femmes qui mettent le hijab, il n'y a jamais eu de problème. Falimada, ils combattent. Falimada, ils se contredisent d'aïman. Un coup, ils disent liberté, un coup, ils disent kada. Limada. أحسن لأن الله سبحانه وتعالى يقول لو كان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر للبروفيت صلى الله عليه وسلم impossible de se contredire لأن il suit la révélation de رب العالمين. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a tout créé. Il se contredit pas. Celui qui se contredit c'est qu'il a une faiblesse. الكافر vu qu'il a pas ses sources, il a pas le Coran, il a pas le Sunna, tu le trouves il se contredit facilement. الكافر il a quoi? Il a le hawa. Faqat, les passions. Ce qu'il n'aime pas, il le combat. Ce qu'il aime bien son nefs, il ne le combat pas. Amma nous, là, nous on a un dîn et on a un kitab. Fa labud le muslim yakfur bit ta'out. Labud. Je ne peux pas maintenant, aujourd'hui, dire maintenant j'aime l'islam, j'aime le prophète. Lakin, je ne peux pas dire que les chrétiens c'est des kuffars. Je ne peux pas dire que les juifs c'est des kuffars.
Je sais que vous vous êtes bien. Je sais que vous vous êtes bien. Je sais que vous faites du mal à personne. Il va vers les chrétiens, il a le même discours. La première chose qu'il fait rentrer dans l'islam, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle a une ma'na. Abu Talib, il l'a compris, il n'a pas pu la dire. Anta yu al-muslim, tu dois la comprendre. Et après, tu l'as dit, et tu t'accroches. Si tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que tu as une aqidah que personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Tous ceux qui adorent autre qu'Allah, ils sont à la batil. Al-Yahoud, Al-Nasara, tous ils sont à la batil. Et un tasse de ce kalima, tu dois faire toutes les religions sauf l'islam. Tu dois adorer qu'une divinité, c'est Allah. Ça vous montre l'importance de ce kalima. Mais le fait de dire une chose, tout le monde se contredire et l'akhir, il n'y a pas. قال الشيخ الفوزان ثم لما حضرته الوفاء جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a appris أن أبو طالب il est gravement malade. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Ça montre que le musulman il veut du bien aux autres. Le prophète sallam il a voulu le bien à son oncle. Dis cette kalima. Si tu l'as dit, ça veut dire que le prophète sallam yawm qiyamah, il pourra intercéder pour Abu Talib. Kalimatun uhajju laka bi indallah. Qala Abu Huraira, ya Rasulullah, man as'ad an-nas bi shafa'atik yawm al-qiyamah? Qala Isa sallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Fa le prophète sallam il sait que si Abu Talib dit la ilaha illallah yawm qiyamah, il peut lui faire shafa'a. قال فقال له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب انظر جلساء السوء أن هؤلاء ما سموه le dernier souffle d'Abu Talib il le laisse pas. Est-ce que tu vas laisser le dîne de Quraysh? Est-ce que tu vas délaisser هكذا جلساء السوء ils te font que du mal. والله les mauvais compagnons هؤلاء ils te font que du mal. Même une petite chose, ouais, il va t'emmener dans ses hats shaitan. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu délaisses Kada? Enfin, la personne, il fait attention à son entourage. L'entourage, ça joue beaucoup. Si tu as un bon entourage, voilà où tu faiblis, mais idn Allah, c'est un sabab, tu peux te rappeler. Ah, un mauvais entourage, voilà, il te fait que du mal. Qala, atatruk din Abd al-Muttalib, fa'a'ada alayhi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fa'a'ada ay Abu Jahl wa sahibuh. Ils ont répété, atatruk din Abd al-Muttalib, ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. Ça vous montre la gravité de at-ta'assub, la gravité de s'entêter, la gravité de suivre les liens de parenté aveuglément, les origines. هذا ça fait du mal جدا. نحن نسوي pas ça, نحن نسوي الحق. قال ومات على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, annahu, il va demander pardon tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui interdit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le verset, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. T'as pas le droit de demander pardon à un mushrik quand il meurt. Fa al-khulasa du dars, ta'ammal, médite bien l'histoire de Abu Talib. Mais dites bien, ce qui fait rentrer l'islam, c'est le tawhid. Enfin, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est matloub, c'est obligatoire pour le musulman. Celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un musulman. Lakin, cet amour, ça doit impliquer le suivi. Tu dois suivre, khas satan dans le tawhid. Tu dois adorer qu'Allah seul. Et tu dois détester ce qui est adoré en dehors d'Allah. Enfin, ce point, il est mohim dit sallallahu subhanahu wa ta'ala, a yuwaffiq al-jami'. Qala wa anzala fi Abi Talib. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع. C'est ça qu'on a cité. أن أيمي le prophète prétend qu'il est à la حق لكن هو il n'est pas concerné. Tu lui dis suis, dis là. هذا c'est pas un مسلم أبدا. Dès qu'on dit suivre, aïe fit tawhid, et s'écarter du shirk, ça n'est pas un musulman, abadan. Qala anna dhalik la yanfa'u annahu la bud min ittiba' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, li anna hadha law kana yanfa' la nafa'a Abu Talib. N'am, si ça serait utile, ça aurait été utile à Abu Talib. Lakin Abu Talib il est fin nar. Qala fa inna al-iqrar bi anna al-islam haq wa anna ar-rasul sadiq ma'a al-mudafa'a 'an al-islam wa himayat al-islam, kullu hadha la yanfa' illa ma'a al-ittiba'. C'est ça l'islam.
Al-Islam, c'est l'istislam lillah bit-tawhid. C'est ça l'islam. C'est que tu te soumets à Allah bit-tawhid. Là, il y a la soumission. Amma, il est d'accord et il n'y a pas de suivi. C'est pas l'islam. قال فإن الإقرار بأن الإسلام حق وأن الرسول صادق مع المدافع عن الإسلام وحماية الإسلام كل هذا لا ينفع إلا مع الاتباع وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أساس فائدة أن الله سبحانه وتعالى يبس سكوغير صن دين avec un فاجر comme il a fait avec Abu Talib. أنت دائما tu regardes la personne, est-ce que c'est un موحد ou pas, est-ce qu'il adore Allah seul ou pas, est-ce qu'il est prophète ou pas. هذا قال فهذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات على الكفر لم ينفعه الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجه من النار رغم المحاولة ومنعه الله من الاستغفار له لأنه لما قال له عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله il a pas voulu la dire alors qu'il pouvait. La preuve qu'il pouvait c'est qu'il a dit أبقى على ملة عبد المطلب. فcette phrase qu'il a dit, il aurait pu dire la ilaha illallah. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Il a pas dit كلمة التوحيد, il a pas dit كلمة الإسلام. فcelui qui a cette عقيدة, أي une croyance ferme que celui qui mérite d'être adoré c'est Allah seul. Et il renie, il nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il déteste ceux qui adorent autre qu'Allah. Hada, il a la croyance du musulman. Amma Abu Talib, il n'a pas hada. Il n'a pas kfir bittagout. Là, bel il a dit, je reste sur la religion d'Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, ma'rouf, il adorait des statues. Et il n'a pas dit la ilaha illallah. Qala, hafidhahullah wa qala, innaka la tahdi man ahbabt. Wa al-murad huna, hidayat al-tawfiq. قال وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا on a dit سبب نزول الآية. Elle est descendue, la qissa qu'on a vu. لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. Aye, je vais demander à Allah pour toi le pardon tant qu'Allah ne m'interdit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset, il a révélé ce verset. Ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen. Tu n'as pas le droit, le musulman, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à un mushrik. Il meurt à la shirk, tu n'as pas le droit de demander à Allah qu'il lui pardonne. قال والله جل وعلا يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الشاهد الذين يتبعون الرسول. Celui qui espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il حقق ce verset. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. La personne n'a pas le droit de penser que Allah ne peut pas guider Fulan ou Raham Fulan. Tu n'as pas le droit de ça. Parce que la Lakin Allah subhanahu wa ta'ala te montre les caractéristiques des personnes qui vont profiter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فسأكتبها أي الرحمة. قال فسأكتبها للذين يتقون. أولا التقوى. Il n'y a pas de taqwa sans tawhid. Al-Mushrik, il n'a pas de taqwa. Abadan. Taqwa, c'est faire les ordres. Faire ce qu'Allah t'a ordonné et t'écarter des interdits, c'est ça le taqwa. Et a'zam al-awamir, l'ordre le plus important c'est le tawhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayyu wahid. Ça c'est l'ordre le plus important. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu ad-din. Beaucoup d'adillah, on a vu sur ça. Et le péché, l'interdit le plus grave c'est le shirk. قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله يبعد البا الشرك celui qui meurt على الشرك. C'est ça le taqwa. فالسلوي qui veut profiter de la miséricorde d'Allah عز وجل يحقق هذه الآية فسأكتبها للذين يتقون. Et tu n'auras pas de taqwa sans les deux choses qu'on a citées. Appliquer le tawhid, s'écarter du shirk. Aimer les mouahidoun, détester les mouchrikoun. Comme à la suite du verset, قال ويؤتون الزكاة. قال والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم. Il fait les ordres. Il a une aqida. Il croit au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a taqwa, il a l'iman. هذا il profitera de la rahma. أما كافر لا يؤمن بالله.
أو يؤمن بالله لكن يشرك به أو يدتست رسول أو يدتست القرآن أو يكروى بان دي فرسي أو يكروى بان نبي أو هذا يغان في قول الله عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء قال عز وجل الذين يتبعون الرسول كذلك celui qui va profiter de la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى c'est ceux qui suivent هذا الرسول. Et le premier suivi que tu dois faire, ayyuhal muslim, comme on a vu dans le premier point et le deuxième point de ce livre, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم, il a appelé au tawhid, ya ayyuhal muddathir qum fa anzir. Wal-rujza, dans les versets, wal-rujza fahjur. En fait, tu dois suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم fi hada. La première chose que tu dois suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est t'adores le même ilah que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et tu t'écartes des autres divinités. هكذا il était le Nabi صلى الله عليه وسلم, فأنت tu dois le suivre. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور كاتشوز بوق faire partie de ceux qui profitent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ أولاً, ils croient que ce rasoul et il est venu بِحَقْ. C'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il dit c'est حَقْ et tu dois le suivre. الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Deuxième point, النُصْرَة أي ينصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pas من النُصْرَة أن بعض الناس يكريتيك النبي عليه الصلاة والسلام la personne il est libre. Ça c'est pas من النصرة, ça c'est من الكفر بالله عز وجل. ومن أعظم النصرة c'est tu propages sa sunna et tu mets en garde contre le bid'a. من أعظم النصرة c'est tu propages التوحيد et tu mets en garde contre le shirk. من أعظم النصرة c'est tu propages les qualités de هذا النبي عليه الصلاة والسلام, sa sira إلى آخر. قال واتبع النور. قال الشيخ الفوزان لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset à la fin il a dit واتبعوا النور. Ça c'est la quatrième chose. Enfin, tu dois l'aimer, tu dois le nasr. Al-Nasr c'est le secours. كذلك الاتباع. فلهذا Cheikh Fawzan il a argumenté avec ce verset pour te montrer أن مثلا Abu Talib, il savait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à la haqq. Il l'a défendu, lakin il lui manquait l'ittiba'. Il n'a pas suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Qul la ilaha illallah. Abu Jahl lui a dit: Atarghab an millati Abdul Muttalib. Il a choisi, il a suivi Abu Jahl. Enfin, il n'a pas suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, c'est pas un mu'min. C'est ça qu'il a voulu nous montrer, Cheikh Al-Fawzan, avec ces versets. قال لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فسي tu veux réussir أيها المؤمن, si tu veux le falah, si tu veux le fawz في الدنيا والآخرة, طبق cette آية. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك هم المفلحون. C'est ça le falah, c'est ça la réussite. La réussite c'est pas suivre les kuffar, aimer les kuffar, tout ce qu'ils propagent l'âne, s'intégrer la laïcité, c'est pas ça le falah, abadan. Al falah il est dans le wala ou le bara. Tu détestes pour Allah et t'aimes pour Allah. Al falah il est fi ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al falah il est fi ibadatillah azza wa jal wahdahu la sharika lah. Amma al-shirk wa al-inhiraf, s'écarter de ce din, hada c'est tariq al-khusran. Innahu ma yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Celui qui ne veut pas suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi tawhid, il ne veut pas s'écarter du shirk, il ne veut pas détester le kufr, il est fait khusran mobil. Al-Islam al-Haq, tu le prends en ta min al-kitab ou min al-sunna avec la compréhension des savants. Amma, ba'da al-nas l'an, ils ont une définition de la réussite, nasallah al-afiyah. Dans la loi, ils appellent ça, c'est ça la réussite. En ta, si tu veux la réussite, lis le Coran, et beaucoup de versets Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ulaika hum al-muflihun. قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كيف يغيسر أبي الله أبي بخفز. قال الشيخ الفوزان فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل كل هذا لا يكفي وأنه لابد من الاتباع, لأن الله سبحانه وتعالى قال واتبعوا النور
واتبعوا لابد من اتباع لابد من عمل ça suffit pas de prétendre لأن العمل هذا سان دليل على ما في قلبك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي قال ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل c'est ça l'Iman l'Iman c'est pas du prétend واحد يجي جامل مسلمان je sais les kuffars ils sont pas à la haq لكن il adore pas Allah seul il dit pas la ilaha illallah il fait pas salat هذا c'est pas مسلم قال فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك بل يدعو غير الله يدعو الأصنام والأضرحة والقبور قال فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا فسا نحن la conclusion qu'on tire de ce point الآن أن il ne suffit pas d'aimer l'islam il ne suffit pas de prétendre je suis un musulman je suis d'origine musulmane ça ne suffit pas hein. Celui qui est musulman il applique l'islam ولا إسلام إلا بالتوحيد s'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'islam. Abadan. قال لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها صحيح مسألة دقيقة ce sujet combien de fois كثير من الناس ne comprennent pas لأنهم ils ne comprennent pas le tawhid قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة أي يتعال توجد أبو طالب قال لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرى من دينه لم يدخل فيه أي في الإسلام ولم يتبرى من دينه أي من عبادة الأوثان قال الأول لم يصير مسلما نعم alors qu'il a patienté il a aidé le prophète sallam ils lui ont fait du mal إلى آخره il a patienté Malgré tout ça, ce n'est pas devenu un musulman. لماذا؟ لأن il ne s'est pas écarté de son premier دين. قال مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. أبو طالب il a très bien compris que l'islam t'es obligé de renier les autres dînes. T'es obligé de détester في الله. أنت الآن t'as une faïda مهمة عظيمة أيها المسلم. Tu dois appliquer ce fondement. Tu détestes pour Allah et تعتقد أن اليهودية والنصرانية والماجوسية وعبادة الأوثان toutes ces choses c'est du كفر بالله et tu détestes ces choses et tu détestes ceux qui font ces choses قال شيخ الفوزان حفظه الله في الشرح هذا الذي منعه هو النخوة والعصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر il a pas pu renier sa tribu il a pas pu dire que tout ce qu'ils font ça fait des siècles des années ils sont à la hada al-batil on était à la batil il a pas pu admettre que Quraysh ils sont à la dalal et ça c'est une cause qui a fait garer Iblis wal iyadu billah ta'assab li jinsi khalaqtani min nar il a pas pu admettre que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit prosterne-toi li Adam asabiyya il a pas pu Allah subhanahu wa ta'ala il a créé de terre wa Iblis il a été créé de nar il a pas pu Il a pensé qu'il est meilleur qu'Adam, il a créé, il ne pouvait pas. Kafara billah azawajal, il est sorti de l'islam. Abu Talib, nafs al-shay, il n'a pas pu admettre que cette religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emmenée, elle est haq, et le reste ils sont à la batil. Malgré qu'il savait, mais il n'a pas pu. Asabiyya. Qala, ma lahu min al-mawaqif al-azima fi nusrat al-haq wa al-difa' anhu. تقدم هذا نعم مالغري كي لايدي البروفيت صلى الله عليه وسلم الى اخره سالو با ايتي يوتشيل قال ومع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفعه هذه الامور سلوي كي سوي با النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد اي لا دوغ الله سول كوم لو بروفيت صلى الله عليه وسلم الى فاه اي ديتست الشرك المشركين كوم لو بروفيت صلى الله عليه وسلم الى فاه هذا سي با مسلم لان هذا الى با ابليكي لا اله الا الله قال الا ما صح انه خفف عنه من عذاب النار حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له وفي رواية في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا والعياذ بالله les deux hadiths ils sont صحيح فهو il va avoir le plus petit châtiment des braises sous ses pieds qui vont faire bouillir son cerveau. Rouwa, il va penser, comme a fait le hadith,
annahu ashadd an-nas adaban. Il va penser que c'est la personne qui est le plus châtiée, alors que c'est lui qui est le moins châtié. C'est lui qui est le moins châtié, wal a'yadu billah. Par rapport à ce qu'il a défendu le prophète عليه الصلاة والسلام il a akhir. اعلم ان هذه الشفاعه خاصه بالنبي يعني خاصه لابي طالب اولا اما autre qu'Abu Talib, il ne pourra pas bénéficier d'Ada. Et on redit, cette chava'a ne le fait pas sortir de l'an-nar. C'est un allègement. Fakat. Qala, lam yanfa'uhu dhalik fi ikhrajihi min al-nar. Fala yata'arad hadha ma'a qawlihi ta'ala anil kuffar. Fama tanfa'uhum shafa'atu al-shafi'in. Innama nafa'uhu fi al-takhfif anha min al-azab. Fakat. Hadha qu'on a cité. C'est un allègement. Fakat. Et c'est que pour Abu Talib. Et une autre personne que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas faire cette shafa'a. Cette shafa'a, elle est khassa, elle est que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui la reçoit, il n'y a que Abu Talib. Et malgré ça, il est fin nar. Qala shaykh l'islam, thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'anzala Allah ta'ala alayhi. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال نستفيد هنا أو نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق ولا يكفي المدافع عن الإسلام ولا يكفي ذم الشرك والمشركين. كل هذا لا يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمور لا تنفعه. C'est ça le fruit de la shahada. La ilaha illallah, ça doit te pousser, ayyuha al-muslim, tu l'as dit, c'est pas qu'une parole. C'est une parole, c'est une croyance, c'est des œuvres. Elle doit te pousser à adorer Allah seul. Ta'abud Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Wa shahadatu anna Muhammad al-Rasulullah, tu dois être sûr que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam bihaq, tu dois l'aimer, et kadalik, tu dois le suivre. C'est ça notre din. L'islam, il a des fondements. L'islam, il a des piliers. À l'islam, il a des annulations. La première chose que le musulman doit apprendre, c'est هذا. قال وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يجاهدون الكفر ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور فهؤلاء لا ينفعهم ذلك. Cheikh Al-Fawzan, Havidahullah, il applique le point Al-An. La leçon qu'on a tirée de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'applique sur un cas qu'on a aujourd'hui beaucoup. Ba'dan nas, ils disent La ilaha illallah. Il fait salat, il fait siyam, il fait le hajj. Tu le trouves, il va, il égorge pour la tombe. Si tu dis La ilaha illallah, ça veut dire que tu prétends, tu crois, que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. T'as dit La ilaha illallah. C'est ça la définition. Tu te contredis. Pourquoi tu dis La ilaha illallah et t'adores autre qu'Allah? Quand il dit La, enfin on lui dit, comme il a dit à l'imam Sonani, on l'avait vu tout à l'heure, on lui dit, tu veux quoi? C'est quoi ton but? De salir la tombe, Hakana? T'es gorge et tu veux verser du sang, faire du mal au wali et rendre le makan sale, c'est ce que tu veux? La preuve, c'est que Katir Menom, comme on l'a expliqué beaucoup de fois, il égorge et laisse la viande. C'est pas du commerce, c'est pas il veut manger, c'est pas là. C'est le simple fait. Égorgé pour le mort. Ta'zim lil mayyit, c'est une ibada. Hada, il sort de l'islam. Et dès que tu le conseilles, asabiyya, l'entêtement, fierté, orgueil, comme Abu Talib, il n'arrive pas à délaisser. Il dit, lakin mon pays, lakin mon père, lakin vous êtes des wahhabiyya, vous êtes kada, asabiyya. Le même résultat qu'Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Parce que le livre est important, ya jama'a. Nahnu al-an, vous voyez que la sira, on la lit des points que Cheikh l'Islam a cité et ta'amma Cheikh Fawzan comment il applique ça sur le vécu d'aujourd'hui. C'est ça qui est mohib. Sira, c'est pas une histoire hakada. Sira, c'est un mode de vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ce prophète rahmatan lil alamin. Parce que sira, si tu la lis, tu la comprends, tu l'appliques, Allah, c'est une rahma pour toi. Lakin tu la lis, tu médites et t'appliques. Pourquoi le prophète sallam il a fait ça? Tu dois te poser la question, pourquoi Abu Talib, tout ce qu'il a fait au prophète sallam, il l'a aidé, il a cadavre. À la fin, le prophète sallam il informe qu'il est finnar. Pourquoi? Tu vas comprendre tout ce qu'il a cité sur le Fawza. Ah non, il n'a pas pu délaisser d'une des mouchriks. Anta, tu sais, si tu veux être musulman, tu dois accepter l'islam, dire la ilaha illallah et délaisser d'une des mouchriks. Tu ne dois pas croire que les Yahoudis sont à la haq. Tu ne dois pas croire que les Nasara ils sont à la haq.
Tu ne dois pas croire que la laïcité, la démocratie, toutes ces choses que les kuffars ils ont inventées pour combattre l'islam, c'est haqq là. Il y en a ces choses, ils contredisent l'islam. Et l'islam, il contredit ces choses. Un musulman, on a déjà dit plusieurs fois, il ne doit pas se contredire. Tu sais très bien, les kuffars ils combattent l'islam, là, il n'a pas. Toutes les religions qu'il y a, il y en a une qui est à la haqq, c'est tout. قال ويذبحون للقبور فهؤلاء لا ينفعهم ذلك لأن الشرك لا ينفع ما هو عمل كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Tout ce qu'il a cité Cheikh Al-Fawzan, argument من القرآن دليل. Si tu fais du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala il a pas dit une personne spécifique, là, لئن, si, أشركت لا يحبطن عملك. حبوط العمل الله سبحانه وتعالى الى نول. C'est quoi la cause? الشرك. Le shirk c'est donner une chose qui est réservée à Allah autre qu'Allah. Celui qui égorge pour une tombe, il a donné le sacrifice qui est une adoration pour Allah, il l'a donné à autre, c'est un mushrik. قال عز وجل فصلي لربك وانحر. Tu dois égorger pour Allah seul. قال ما دام انه لم يتبرا يرحمك الله من المشركين لم يقاطعهم في الدين فانه لا ينفعه ذلك. On a vu le verset, قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله. Tu trouveras pas une personne qui a la foi, qui a l'iman, il aime les kuffars. C'est impossible. Tu as deux choses, un, tu as le tawhid et tu as son contraire, le shirk. Et t'as al-wala, aimer les musulmans, t'as son contraire al-bara, min al-mushrikin, aimer et détester pour Allah. La bud le musulman, haqqaq, c'est deux choses. قال والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان. انتهى. قال شيخ الفوزان يقصد بذلك العلماء الذين في وقته. نعم لأن على بقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعض الناس ils ont combattu sa da'wa alors qu'il appelait au tawhid et il disait rien aux mushriks, des personnes qui adoraient des tombes, des personnes ça les dérangeait pas alors qu'il combat tawhid. هذا il a pas compris din l'islam ابدا. Il combat tawhid et il a plus shirk. قال لكن مع هذا لم يقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين. Pourtant, كثير من الناس à l'époque du Cheikh l'Islam, ils savaient et ils ont vu le jihad du Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab. أن بعض الناس lui faisait du mal et il avait besoin que les gens l'aident et l'aider. بعض الناس ils n'ont pas bougé le petit doigt alors qu'ils pouvaient. هذا c'est grave. لأن المسلم il doit mettre en garde contre الشرك. Il doit appeler au tawhid, خاصة s'il peut. قال هؤلاء مثل بطالب لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين ولا دعوا إلى الله ولا بينوا للناس بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشركين. هؤلاء ils ont pas appliqué le point qu'on a vu, appeler au tawhid, mettre en garde contre le shirk, ils ont pas appelé ça. فلعل ce point بإذن الله il est واضح. Et demain بإذن الله on commence le cinquième point et on laisse la muraja'a du troisième point, du quatrième point pour demain. Enfin, pour demain, réviser le quatrième point. Au début du dars, on posera des questions. Tumma, on commence le cinquième point. C'est l'avant-dernier. Subhanakallah, alhamdik, shadu, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.